En Europe, 5,5 millions de jeunes de moins de 25 ans sont actuellement au chômage. Autrement dit, près de 23% d'entre eux sont confrontés à cette situation. Dans certains pays, tels que l'Espagne ou la Grèce, le problème est pire encore. Les taux de chômage des jeunes s'élèvent à plus de 50%. Mais il existe des solutions. L'une d'entre elles est la garantie pour la jeunesse. La Commission européenne estime que les dispositifs de garantie pour la jeunesse, destinés aux jeunes de moins de 25 ans, sont un des moyens les plus efficaces de lutte contre le chômage. Elle demande donc à tous les pays de l'UE de mettre en œuvre une garantie pour la jeunesse. Avec elle, personne n'est laissé pour compte. Chaque pays doit faire en sorte que tous les jeunes européens reçoivent une offre de qualité en matière d'emploi, d'apprentissage, de stage ou de formation dans les 4 mois qui suivent la fin de leurs études ou de leur emploi précédent. Certains pays, comme la Finlande et l'Autriche, disposent déjà de tels dispositifs. Et ça fonctionne. La façon dont cette garantie est mise en place peut varier d'un pays à l'autre. Il n'existe pas de modèle unique. Ce qui compte, c'est le résultat. Aucun jeune ne doit être privé de soutien ou de l'opportunité de trouver un emploi de qualité. L'UE essaie d'aider ces pays à élaborer et à lancer de tels dispositifs. Vous pouvez également y contribuer en prenant la parole pour promouvoir une garantie pour la jeunesse dans votre pays.